Et c'est parti pour la dernière étape de ce voyage dans les pays baltes. Après Riga et Tallinn, maintenant c'est Vilnius, la capitale de la Lituanie. Et nous voilà arrivés à Vilnius. Franchement, le trajet est passé trop vite, donc j'avais deux bus. Premier bus, j'ai dormi. Et le deuxième bus, j'ai regardé des films, donc franchement, c'est trop bien passé. Il fait pas très beau ici. Vraiment, le temps est pas ouf et ça met qu'il pleut tous les jours où j'y suis. Bon, déjà là, au moins, il pleut pas, mais je sens qu'on est entre deux averses. Et du coup, c'est parti pour 35 minutes de marche jusqu'à l'appartement. Et nous voilà arrivés dans l'appartement. Donc il y a le gars de l'appart qui m'a donné les clés, qui m'a fait visiter. Donc on va revisiter ensemble. C'est un petit appart comme ça. Ici on a la douche. C'est un nouvel appart d'ailleurs, et il y a même encore des apparts en construction. Où est la lumière? Hop, machine à laver, ça c'est cool. Voilà, donc très clean. Ici pour dormir, la télé, la wifi, ici que je vais travailler, et la cuisine. Même la cuisine, elle est trop bien, là ça me donne envie de cuisiner. Cuisiner, faire des pâtes quoi. Et voilà, l'appart il est comme un peu au milieu de nulle part, enfin milieu de nulle part entre guillemets. Mais voilà, il y a même une terrasse. Oh. Peut-être pas la meilleure saison pour aller sur la terrasse. Mais voilà, c'est sympa. Et je vais aller faire un tour dehors, voir ce qu'il y a. Et surtout acheter des choses pour cuisiner. Bon, à première vue, Vilnius a l'air beaucoup moins charmant que Riga et Tallinn. Mais après, faut-il peut-être aller se balader dans les bons quartiers. Mais on ira visiter tout ça demain. Là, c'est 17h, je vais juste sortir là, voir les alentours, ce qu'il y a pour aller manger. Enfin, pour soit prendre à manger ou soit manger quelque part. Je verrai. Mais voilà, on ira vraiment visiter demain. De toute façon, donc, là, on est samedi et je repars mercredi. Donc voilà, ça me laisse un peu de temps pour après alors, voir comment c'est. Mais là, j'ai vu beaucoup d'arbres. C'était très automne. Beaucoup d'arbres oranges, ça, j'ai bien aimé. Mais sinon... Donc, à voir. Ça, j'adore, les arbres là-bas. Quand on a à moitié des verts, à moitié des oranges. Je trouve ça trop beau. Il pleut bien comme il faut. Vraiment, le temps qui ne donne pas envie de sortir. J'espère que ça ne va pas être ça tout le long que je suis là. Mais au moins là, ce soir, ça va être soirée. On reste à la maison. Nous revoilà des courses. Voilà. J'ai évidemment, je me suis arrêtée devant le truc des pâtisseries. Donc, alors ça, c'est des petits pains. Alors si c'est les petits pains, comme j'imagine, c'est à moitié brioché et à moitié au fromage. Enfin, genre, c'est trop bon. J'espère que c'est ça. Ensuite, on a ça. Oups. Je me suis dit que c'était au fromage. Voilà. Et évidemment, on a pris quelque chose à la cannelle. Voilà. Comme ça, ça fera goûter des fleurs. Et on a des pâtes et du gruyère pour ce soir. Pas de fromage. Par contre, alors j'étais dans un petit supermarché, juste au Maxima. Il n'y avait que ça comme pâte. C'était le seul paquet de pâtes qu'il y avait. Enfin, et d'autres comme ça, mais c'était les seuls. C'est bizarre, parce que des pâtes, on a toujours comme pas mal. Enfin, sans non plus avoir tout un rayon, mais t'as quand même plusieurs sortes ou plusieurs marques. Mais non, il n'y avait que ça. Donc voilà pour ce soir. Et enfin, je ne vais pas manger non plus toutes les pâtes ce soir. Donc ça, ça va pouvoir me faire plusieurs jours. Et maintenant... Je vais regarder s'il y a Netflix sur la télé. Parce que vraiment, là, c'est un temps à rester chez soi, se mettre devant une série, et voilà. Bon,
il va être temps d'aller visiter Vilnius. Je n'ai vraiment aucune idée de à quoi ça ressemble. Donc, on va aller découvrir ça. Je suis à 30 minutes à pied du centre, enfin, de ce que je pense être le centre. Donc, on va y aller, on va prendre le parapluie parce que je sens qu'il va se mettre à pleuvoir. Donc, là, il est quoi? Il est 9h30. Ça met qu'il pleut à partir de 13h. Donc, on va prendre le parapluie. Au niveau de comment s'habiller, alors je pense qu'il fait moins froid que Tallinn, ça c'est sûr. Là, je crois qu'il fait 7 degrés à Tallinn, on est descendu dans les moins. Donc, je sais pas comment m'habiller. Est-ce que je remets un pull par-dessus ce pull ou pas? Mais voilà, on va s'habiller et puis let's go découvrir Vilnius. D'ailleurs, je sais même pas si ça se dit Vilnius ou Vilnius. Mais let's go découvrir. C'est bon, on se dirige bien vers le centre. Et j'aime trop là tous ces arbres. C'est trop beau. Nous y voilà. Donc il n'y a plus qu'à descendre. Je suppose que le centre est là. On a un petit parc avant, mais ça a l'air sympa. Il y a trop de choses de partout, je vois rien. Mais que vois-je là? Un caféine! On va pouvoir se reprendre des cinnamon de latte ici. Bon, pas maintenant d'abord, on va pas non plus se balader. Mais au moins c'est bien, il y en a ici. En tant que bretonne, le restaurant La Crêpe m'intrigue. Donc là, je crois que c'est 11h10. Je vais refaire, enfin, je vais faire un petit tour par là. Je pense que je vais faire un truc comme ça pour ensuite revenir là, manger et après on repartira. Alors, choisir maintenant. Ça, j'ai vu, il y avait des sweet potatoes, des patates douces, frites à la patate douce. Avec une crêpe, ça va. Alors, ils font des crêpes, mais pas que, ils font de tout en fait. Ça va être frites de patates douces. Ok, ok. Bon, c'était difficile de choisir, mais je vais prendre la crêpe avec du jambon, de la mozzarella, de la feta, des tomates et pesto sauce, parce que j'avais envie de crêpe. Et je vais prendre aussi des frites de patates douces à côté, parce que j'ai aussi envie de frites de patates douces. Et en tous les deux, ça me ferait 10,50. J'espère que leurs crêpes sont bonnes. Après, il y a aussi la crêpe avec le fromage et le poulet qui me donne bien envie. Parce que j'aime trop le poulet. Ouais, mais fromage, il y a feta. Ouais, on prend celle-là. C'est arrivé super vite. Et on a
la crêpe. Sans le fromage. Et les frites. Le faux. C'est ok. Heureusement, il y a du fromage. De retour, il est 13h30. Il pleut toujours pas. Normalement, ça devait pleuvoir. Non, je crois pas. Mais bon, au moins, on s'est pas pris de pluie. Et alors, on a fait 16 000 pas. Je dis on, c'est juste moi. Hein. Je compte mes pas à chaque fois. C'est parce que j'ai l'application WeWard où je peux transformer mes pas, enfin, convertir mes pas contre de l'argent. Mais donc voilà, on a bien marché, on s'est bien baladé. Et franchement, Vilnius, c'est trop beau. Alors, c'est pas du tout comme Tallinn et Riga. C'est complètement un autre style que je ne saurais dire quel style c'est parce que je ne sais pas décrire les choses. Mais de toute façon, ça se voit avec les images. Mais c'est franchement, c'est super beau, c'est super agréable de s'y balader. Il y a plein de belles choses à voir. Et j'avais peur qu'il y ait trop de monde parce que là, on est dimanche, il y a les vacances scolaires qui viennent de commencer. Et non, non, ça a été. Donc, franchement, super cool. Je pense que j'ai déjà vu pas mal de choses, j'ai regardé après sur internet, il y a quoi d'autre à regarder. Demain, c'est lundi, demain, séance de coworking et j'ai des rendez-vous. Bon, je crois que les lundis maintenant, ça va être à chaque fois boulot. Et on va plutôt ressortir mardi, donc comme ça je vais voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire mardi. Mais là franchement, il y a déjà... Donc, je pense que j'étais dans le centre, j'ai fait aussi la vieille ville, je ne sais pas exactement... Quelle était, enfin, où c'était la vieille ville, mais je sais qu'à un moment donné j'y étais. Donc j'ai déjà fait pas mal et c'était cool, c'était cool. Et maintenant ça va être création de contenu. On est dimanche, c'est création de contenu, mais en mode chill devant Gilmore Girls. J'ai recommencé hier soir à regarder. Je suis déjà à l'épisode 11 ou 12 de la saison 1. Et non, vraiment, ça c'est la série qui va parfaitement avec le temps comme ça, le temps d'automne et l'hiver qui arrive après. Donc voilà, ça va être après-midi chill et un peu work. Bon, après avoir mis travaillé depuis le lit, avoir fait une mini-sieste, je me suis endormie devant Gilmore Girls. Je me suis installée sur la table. D'ailleurs, est-ce que j'ai dit que ce marbre-là, il est magnifique? C'est celui aussi de la cuisine et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cet appartement. La table était là, je l'ai mise là pour pouvoir regarder évidemment la télé en même temps. Mais là, c'est bon. Là, le fait d'avoir fait une petite sieste, tout ça, je vais me faire un thé, je suis reboostée. Donc, ça va être travail. Donc là, c'est plus sur ma création de contenu à moi. Et en même temps, de regarder une vidéo. Là, je regarde une vidéo de Joyka. J'aime trop les dimanches parce qu'il y a plein de vidéos qui sortent. Donc voilà. Par contre, ici, abusé, l'eau, elle est hyper calcairée. Genre, je me suis dit, j'ai vu que l'eau était potable.
Je me suis servi un verre, elle était toute, toute blanche l'eau. Donc bon, je la fais bouillir avant de la boire, mais elle est quand même beaucoup calcaire. Je suis deg, je me suis dit, je vais venir au supermarché pour me prendre un roulé à la cannelle et un pain au fromage. C'est les deux seuls qu'il n'y a plus. Qu'est-ce que je prends? De toute façon, pour le petit déj, ça va être un truc là. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça. Finalement, on est parti sur du raisin. Parce que il n'y a rien qui me tentait dans les trucs qu'il y avait. Même, il y a des choses, je savais pas trop ce que c'est. J'avais pas envie. Pour au final, trouver un truc qui était pas très bon. Donc là, raisin, c'est très bien. En plus, c'est des fruits, donc parfait. Et je voulais sortir, je me suis dit tiens je vais aller m'acheter un petit truc à manger pour le petit déj parce que je ne pense pas trop sortir aujourd'hui. Lundi c'est la rendez-vous, c'est la rendez-vous, c'est la journée des rendez-vous, des séances, tout ça. Donc on va plutôt, surtout que là il pleut, et normalement il pleut toute la journée, donc on va plutôt rester tranquille, faire les rendez-vous, bosser, chiller, voilà. Et on ira se rebalader demain, ou demain je n'ai aucun rendez-vous. Bon, dernier jour à Vilnius, dernier jour tout court de ce voyage, demain on rentre. Mais là il est 10h, j'ai travaillé sur un site, on a validé les maquettes hier et du coup là j'ai pu commencer l'intégration. C'est ma partie préférée, du coup à chaque fois je donne tout direct, donc là je suis contente, j'ai fini d'intégrer la version française, il me reste la version anglaise et l'optimisation SEO. Mais on va quand même profiter de Vilnius vu que c'est notre dernier jour. Donc là, on va aller se balader. Donc on va aller à côté de l'endroit où on était la dernière fois parce qu'en soi, tout est à peu près au même endroit. Mais on va aller un peu plus loin. On va pouvoir aussi retourner là où on était parce qu'on va se trouver un truc à manger. Et voilà, ça va être ça le programme de la journée. Normalement c'est pas prévu de pluie, mais je vois tout le monde avec une capuche, mais c'est pas grave, je vais pas prendre mon parapluie. Et on va aussi s'arrêter évidemment au caféine, prendre notre dernier cinnamon bun latte. Surtout que je les ai pas encore goûté ici en Lituanie, donc à voir. J'ai vu que c'était moins cher, je crois que le prix est entre celui de la Lettonie et celui de l'Estonie. Mais voilà, donc let's go découvrir un peu plus de Vilnius. Et on n'oublie pas, aujourd'hui c'est aussi mission manier. J'ai failli oublier, mais il faut prendre un manier. Je le dis et redis, mais ces couleurs d'âme sont magnifiques. Et c'est bien mieux en vrai que là en vidéo. Bon allez, let's go. Passage piéton et qu'il n'y a pas de feu pour dire c'est soit au piéton ou à la voiture, les voitures elles s'arrêtent. Et pourtant c'est des grandes routes et tout, genre les voitures elles y vont. À chaque fois, genre moi je m'arrêtais, je me disais bon je vais sûrement laisser passer quelques voitures, non. Direct, elles s'arrêtent pour me laisser passer, c'est trop agréable. Voilà, là où on était la dernière fois. Je vais essayer de voir des rues que je crois que je n'ai pas vues. On va se trouver un truc à manger et un manier. Ici, on a la cuisine traditionnelle. On va aller voir ça. Plus les prix, ça a l'air d'aller. Maintenant, il va falloir choisir. C'est trop marrant, c'est genre une porte. On va aller voir ça. Et bah c'est très très bon. Voilà ce que j'avais pris, le roasted bacon. Et 8,45€, franchement c'est super correct et c'était super bon. Bon, maintenant mission manier. Parce que la boutique de souvenirs de tout à l'heure, c'était
hyper cher, il n'y avait pas grand chose. Donc là, on revient par où je suis arrivée la dernière fois. Moi, j'étais arrivée comme ça. On avait vu le café là et directement, j'étais descendue et j'ai fait tout en descendant. Sauf qu'il y a des trucs aussi à voir en haut. Donc là, on va aller voir en haut. Et le truc à voir en haut, je m'en suis rendu compte parce que en regardant les souvenirs, il y avait une carte postale avec un beau bâtiment, ça faisait une belle rue. Et je l'ai revu plein de fois partout, je me suis dit mais attends, ça doit être un truc quand même qui doit être bien à voir. Donc on va aller voir ça et apparemment c'est par là. Et voilà, c'est ça. Bon, c'est beaucoup moins les belles couleurs que sur la photo, mais c'est joli. C'est bon, cinnamon bun latte en main. On a vu tout ce qu'on avait à voir. On a notre manier. Donc maintenant, let's go. J'ai rajouté moi-même de plein de cannelle par-dessus pour être sûre que c'était qu'on sentirait bien la cannelle, même si on la sent bien à chaque fois. Je suis en train de me bouler les doigts. Attendez. Donc, je disais cette fois-ci, j'ai rajouté de la cannelle en plus par-dessus pour être sûre qu'il soit à fond cannelle, vu que c'est mon dernier. Là, il était à 3,60. Donc, je crois que lettonie c'était 3,30 et estonie 4,10. Donc, entre les deux. Et maintenant, on va retourner à la maison et retrouver Gilmore Girls et la création de site que j'ai. Et il est très bon, ce cinnamon. Pas de latte, franchement, pour un dernier. C'est moins couvert que la dernière fois quand même, si je me rappelle bien. Et nous revoilà de retour après 16 800 pas. Et je pense que ça va être la fin du vlog parce qu'il va plus se passer grand chose d'intéressant. Là, je vais juste regarder Gilmore Girls travailler, manger ce soir et demain rentrer, donc rien de fou. J'ai adoré Vilnius, franchement agréablement surprise. J'aime beaucoup parce qu'il y a énormément le côté nature que j'ai beaucoup plus retrouvé que dans les autres villes. Donc franchement c'est trop chouette de s'y balader. On n'a pas eu trop de pluie, ça c'est bien alors que ça en prévoyait tout le temps. Mais super agréable de faire les trois villes, franchement, je recommande. Si faut aller dans une ville, autant faire les trois, surtout qu'elles sont facilement reliées en bus. Donc il y a Tallinn, Riga, qui a 4 heures de bus, et Riga, Vilnius, 4 heures de bus aussi, donc ça se fait super bien. Et j'ai adoré le faire cette saison. Genre, automne, comme ça, c'est trop beau. Et voilà, j'ai vraiment adoré les trois. Aussi avec Tallinn, bien de faire Helsinki, vu que moi j'avais déjà fait, j'ai pas fait, mais c'est vraiment de l'autre côté. Donc ça aussi, et de passer franchement 3-4 jours dans chaque ville, c'est large pour faire les visites. Donc voilà, franchement, c'était vraiment bien. Moi j'ai adoré les trois villes. Alors je pourrais pas dire laquelle je préfère, parce que elles ont chacune leur charme. En fait, je pense que c'est surtout entre Vilnius et Tallinn que je sais pas, peut-être Riga, je la mettrai en dernier, mais aussi parce qu'elle est plus loin. Donc, non, franchement, elles ont chacune leur charme. Et voilà. Maintenant, on va rentrer et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Ciao !